Et là, on est à... Guardian of Wheel. Et je lâche une caisse en même temps, c'est marrant. Là, c'est le plus naturel possible, je ne peux pas faire plus. Là, je fais pas de montage ce soir, je balance toutes tes vidéos comme ça. Guardian of Real. Escape game. C'est de l'escape game. Et ce soir, il y a deux simulateurs de ouf. Et on joue sur un jeu de... Merde, comment ça s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Il y a une compétition sur le simulateur. Sur Project Car 2. Project Car 2. Merci. Entrons. Tu couperas la voix au montage. Oh bah non, ce serait dommage. Une saucisse et des frites. Hey, salut toi. Arrête-moi de vider. La voix. Non. Allons voir les simulateurs. Un drifter. Vous pouvez avoir un drifter. Oh là là, il s'en est pris une là. Bah là, faire du drift avec ça. Monsieur Alex, on a vu ta voiture dehors. On a vu ta voiture dehors. Voiture de sport. Voiture de sport que monsieur Alex a roulé. Plumeur Croix. Abonnez-vous. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Oh là là. On va le faire. Nous ne sommes pas dans un asile de fous. Nous sommes, il y a plein de pièces. Nous sommes dans un escape game. Ouais, et là c'est le maître du jeu. Ouah, et non mais sérieux. Là il y a du matos hein. Oh là là! Ça c'est grand hein! Oh. Et puis voilà, j'ai choisi les pistes là puisque normalement tout le monde les connaît. Donc on y a à peu près tous roulé en vue normalement. En premier circuit. Et voilà, on aura tous les mêmes réglages comme temps, les mêmes réglages aéro, les mêmes réglages amortisseurs et tout, histoire d'avoir. C'est parfait, c'est comme alors, la BGO, la 08. Alors cette fois-ci, pour les réglages, tu fais pas chier. Tu fais pour que ce soit bien réglé. Oui. Et tu vas pas pleurer après, faire moins moins bubu. Non, tu vas le régler. Tant que je touche les pédales. Oui. Mais t'enlever tout ce qui est concurrent ou normal quoi. Non, l'angle est très large. Bah il dit que c'est large, ouais. Ah ouais, c'est très bien l'angle large. Dès qu'elle touche pour changer la vue Ça doit être... Eh bien, on se là. Ouais, on a pris, on a mis sur les côtés. Ok. Alors si vous avez un soir, vous avez les boissons derrière vous, vous avez les verres à votre disposition, n'hésitez pas. Automatique. Je suis en automatique depuis tout à l'heure. Ouais, moi aussi, c'est en automatique. Aux palettes, hein. À tout moment, il y a les palettes volantes. Pizza. Les pilotes, ça mange aussi. Après, t'avais dit, ah bah Adrien. Bah oui, du coup, bah Et apparemment les nuls, vu que c'est un pilote automatique, ça va partir. Ouais, j'ai rien de ça.
Alors du coup, pour les demi-finales, la première demi-finale, elle opposera Adrien à Plume Noire. Et la seconde demi-finale opposera Maxime à Abo. Du coup, les quatre autres personnes qui ont été éliminées ont droit à 15 minutes de jeu d'aventure en réalité virtuelle pour compenser. Vous proposez c'est quoi en ça salle. Pour les limites de piste. Ah. Je vais pas rouler sur la pelouse. Ah, il n'y en avait pas. Ah, là, il n'y en avait pas. Là. Ah, j'aurais pu couper alors. Et ben, c'est pour ça qu'on change. C'est que... Parce que là, le réunion, sinon. Bon, et si on enlevait la BS et tout, c'est quand même. Il n'y a pas, on peut pas changer ça. Adrien, il a dit ça va, je gérer. Mais là, je pense que là, il va moins bien gérer. Là, moi, Starcy, là, j'ai envie de gagner. Tu vois, en train de vaciller, là. Du haut de sa petite taille. Alors, du coup, contre la montre. Et du coup, on va... ouais, faut juste regarder. On va rouler sur un autre circuit inconnu. Parce que là, ce qu'on va faire, en fait, un circuit belge. Là, en fait, non ce qu'on va faire, c'est que le chrono, en fait, on va le mettre sur un téléphone. Et parce que la différence, c'est que là, en contre-la-montre, si tu tapes un mur, t'as des dégâts sur la bagnole. Oui, il y a le match après. Donc, en fait, si tu tapes, tu fais recommencer. Oui, c'est moi qui ai vu. Tu recommences ton tour. Ah, oui. Et puis, et on regarde le timing. On regarde le timing sur le téléphone. Donc, tu peux casser le démarreur, par exemple. T'es quel mais lui, il a jamais roulé ce genre de voiture, il peut pas dire. Il peut bien rouler. On verra ça. Laquelle est lui. Les sprintcars. C'est quoi ça, les sprintcars? C'est la place. Oui, genre. C'est pas regarde, regarde sur ton téléphone. On regardera, tu manges pas. Réglage lâche. Oh, je suis pas un lâche. Mais ils sont pas tellement lâches, en fait. Non, moi, attends, je vais le voir. C'est bon, on envoie. C'est commencé là? Non, non, merci, non. Merci, je te l'ai. Quand... Dès que tu lances, je lance. Ok. Y'a quelqu'un d'autre qui lance le chrono de plus loin? C'est Marco. C'est un là, là, c'est où? Ah, y'a une 7! Je vais pas! Non, non, parce que. Mais c'est vraiment spa en fait! Allez, les losers! Venez, les losers! Ils veulent faire rapport à la VR. Ça tombe fort, je les connais. Ah! Ah, fais chier! Il y a le Jerry Boot. Mais la caisse était pas endommagée en fait. Et la petite moustache qui est. Rélion, c'est à fond. Rélion. Je crois. Il a pas touché un mur, hein, je sens. Non, je crois sinon, il a les dommages et il faut qu'il reboot pour avoir les dommages. Non, non, il a rien tapé pour le moment. Si, il va taper un chrono. Alex. Peut-être. Vos impressions? Et j'étais fait de la merde. Hein. De 24 points. J'ai fait que des. De vainqueur. Des petites conneries, c'est con. Hein, des grosses conneries. Vainqueur Adrien. Sur cette première demi-finale, bah, c'était plié, bien hein. Joué. Ouais, mais c'était plié d'avance. Il restera toujours la petite finale à gagner, Plume Noire. Hein? Il restera quand même la petite finale à gagner. Petite finale sur un Arch Life. C'est vrai? En deux tours. Bien sûr, c'est pas fini. Deux tours, ouais. Ah, deux tours pour la petite finale. Pour la grande finale. Mais c'est quoi les chronos là? Alors les chronos, Adrien à 2.23, toi t'es à 2.24.3. Vous étiez à rien. Mais c'est con parce que t'as fait un 2.23 mais t'étais en invalide. T'es invalidé, ouais. Merde, oui, j'ai fait tellement con. Il y a invalidé au double gauche, tu gagnes pas énorme. Ah c'est dommage. Mais tu vas te rattraper. C'est comme toi, invalidé à la sortie du S. T'as vu. Ça sert à rien d'invalider là. J'avais le mort. Pourquoi? Tu vois, il y a pas besoin de sortir les 4 roues. J'avais 3 dixièmes avant. Non, c'est la majorité de la voiture qui est dans le secteur. J'étais sur la ligne blanche, putain merde.
T'es comme la 328 le Drélion, à fond. Sauf que là t'es à 250. Pardon. Et moi je suis à 160.